renseignements. Tu veux savoir de moi le secret des sorcières? J'allumerai pour toi leur nocturne lumière et je t'apprendrai l'art très simple des sorcières. Les sorcières ne sont vivantes que la nuit. Elles dorment pendant le jour. Leur regard fuit, n'étant habitué qu'à l'ombre de la nuit. Les sorcières ont des âmes calmes et noires. Les astres leur sont moins étranges que les foires. Le feu des mondes, lui, en leurs prunelles noires. On les craint, on les chasse, on ne les aime pas. Elles ont fui l'auberge et le commun repas. Elles n'ont point compris, on ne les comprend pas. Cependant, elles sont très simples. On doit naître. Pour les comprendre, il faut quelque peu les connaître, savoir qu'elles ont le droit d'être et de naître. Chacun parle très haut du bien et du mal. On sait que c'est un tort grave d'être anormal. Leur cœur inoffensif n'a point conçu le mal. Mais ces femmes sont les maudites étrangères, car dans un monde épais, leurs âmes sont légères. Et ces lois leur seront à jamais étrangères. Elles touchent à peine, et si peu, le sol franc. Elles n'aiment que le tout noir et le tout blanc, où la nuance dans le reflet n'est pas franc. Par leur regard, par leur sourire équivoque, la pourpre sombre et l'or terne des vieilles loques revêtent sur leur corps des splendeurs équivoques. Elles savent cacher au dur regard du jour leur cœur, leur haine triste et leur si triste amour, leur âme indifférente à la beauté du jour. Peu leur importe si, plus tard, enfin vaincues par les pouvoirs du jour, leur musique vécue s'éteigne, ainsi qu'un faible appel des vaincus. Peu leur importe, tout leur est indifférent, car l'univers n'est qu'un luth docile qui rend, selon la main, un doux sanglot indifférent. Elles vivent dans un songe là, solitaire, comme la lune, ayant choisi, parmi les terres, celle où meurent le mieux les âmes solitaires.